jaune a surgi un beau matin. On fait dans quel ordre alors? Et franchement, c'est la seule peur que j'ai eue, c'est ça. Le rassemblement, c'est d'à côté. Ils ont mal compris. Mais normalement, ils attendent que les gens deviennent violents. Parce que, comment je pourrais dire, s'ils deviennent violents, ils savent comment agir et réagir vis-à-vis de... Ça va étayer. Le seul qui m'a laissé le coup quand j'étais à... Donc nous sommes l'Union des collectifs du 89 pour la liberté, une association citoyenne, apartisane et indépendante qui œuvre de façon déterminée pour la réappropriation de nos droits et de nos libertés fondamentales par le retrait du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. Nous sommes déterminés à retrouver un gouvernement juste et démocratique, sans conflit d'intérêts. Nous dénonçons aussi l'instrumentalisation des grands médias, devenue clairement la presse de propagande gouvernementale. Nous rejoignons le soulèvement populaire lié à l'augmentation du prix du carburant, du gaz et de l'électricité. Nous dénonçons l'absence coupable d'une grande majorité de nos élus, représentants du peuple, lors des dernières sessions parlementaires. Nous dénonçons la non-levée des brevets sur le vaccin. Et bien sûr, nous demandons, dans notre détermination habituelle, sans faille et forte de notre unité, iconise dans ce combat le retrait pur et simple du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. C'est très bien, parce que c'est une grande responsabilité. Vous avez quand même des personnes qui sont en souffrance. Et on n'est pas là pour les faire paniquer, on n'est pas là pour leur faire peur, on est là pour les informer. Et je pense qu'il y a d'autres façons d'informer que de le faire par le biais de la peur. Donc je vous remercie vraiment à tous du travail d'information que vous faites tous les jours, des infos que vous partagez, mais surtout vérifier si elles soient sourcées et n'extrapolez rien. Donc je vous remercie en ce sens et j'espère, je souhaite vraiment... À la limite ralentissez au niveau des barrières. On n'en veut pas! Macron!
Les dernières frasques. Donc nous venons effectivement de recevoir de leur part le courrier pour que nous allions faire, nous soignants, la troisième dose. Donc c'est officiel, nous l'avons reçu. Et j'en profite pour rappeler à ceux qui ne sont pas au courant que les différents ordres, que ce soit les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, les kinésithérapeutes ont donc reçu l'interdiction de prendre un remplaçant ou un collaborateur, même si celui-ci est vacciné. Donc tous les ordres sont concernés par cette information, par cette interdiction qui ne s'appuie sur aucun arrêté ministériel. Je le rappelle parce que c'est une honte ce qui se passe en ce moment en France. Donc je vous invite à en parler aux gens, à vous réveiller et à les réveiller, parce que beaucoup ne sont pas encore au courant. Mais là, les cabinets sont fermés et les conséquences pour Lyon, particulièrement dans le cadre du désert médical, sont vraiment désastreuses. Voilà pourquoi nous sommes devant l'ARS. Yeah. Et comme aujourd'hui nous sommes axés sur la culture et que les informations sont quand même assez lourdes, on va relever un peu le moral des troupes avec de la poésie. Donc j'invite un comédien de Vézelay. Merci à tous. Bonjour. Ok, ok. Bonjour à tous. Donc, petit instant poésie. Vraiment plus près. D'accord, petit instant poésie. J'ai l'impression d'être à l'école dans toute la classe. Alors, donc c'est un poème que j'ai écrit il y a 15 ans qui parle de l'épidémie de sida. D'accord. À l'époque, j'avais intitulé ce poème « C'est quand même plus joli avec des rimes ». Aujourd'hui, le poème s'appelle... Donc, c'est un poème que j'ai écrit il y a 15 ans, d'accord ? Ok, ouais.
Alors, il parle de l'épidémie de sida. À l'époque, je l'avais intitulé « C'est bien plus joli avec des rimes ». Aujourd'hui, il s'appelle... Donc, il faut que le titre me revienne. Aujourd'hui, il s'appelle « Toute ressemblance avec des faits existants aujourd'hui ne sont que pure coïncidence. » Je parle ici de l'épidémie de sida. Une bonne épidémie, ça ne peut pas faire de mal. Surtout dans nos pays, nous nous en sortons pas si mal. Il nous reste quelques hôpitaux et l'industrie pharmaceutique. Nous avons les meilleurs labos, experts et scientifiques. Tout le monde n'aura pas de dose. Gardez-la pour vous. Le monde est peu de choses. Nous contrôlons tout. L'essor démographique est bien pire que la peste. C'est un choix stratégique d'évolution des espèces que de garder maladies et thérapies comme instruments de pouvoir. Nous avons tant investi, consolidons nos avoirs. Du monde, nous serons les maîtres. Nous enrayerons l'épidémie. Nous sauverons vos êtres. Vous, nous devrez la vie. Bien sûr, nous ne parlons pas ici d'épuration ethnique. Nous avons bien dicté aux médias notre vision de l'éthique. C'est dommage, pourtant, certains peuples sur Terre n'auront pas assez de temps pour fleurir les cimetières. C'est de l'écologie, une sélection naturelle. Nous voulons le pouvoir sur vos vies, et cela est bien réel. C'est une épidémie et pas un désastre encore. Sauf pour moi, car mon ami, hier soir, en est mort. Liberté d'un fouet, injection forcée.
Liberté, va fouet. Injection, c'est liberté, va fouet. Injection, c'est liberté, va fouet. Injection, c'est liberté. Aller voter. Donc, là, on est un noyau dur résistant à Auxerre, mais vraiment, j'espère vraiment qu'on sera plus nombreux si leur ignominie continue. Oui, c'est une honte. Et ça fait réagir personne, mais moi, ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète vraiment. Il existe un gros problème de proportionnalité actuellement entre la situation sanitaire réelle du côté
Covid-19 et les mesures encore légiférées et exécutées par notre gouvernement. Depuis plusieurs mois, il y a des discussions visant à la mise en place du vote par correspondance, le vote par anticipation, le vote électronique, chose qui était supprimée pour cause de fraude en 1975 en France, aux Pays-Bas en 2008, aux États-Unis en 2020. On sait très bien ce qui s'est passé. C'est pour la première fois de l'histoire que des élections présidentielles risquent d'avoir lieu sous un régime d'exception. Tout cela nous amène à une grande vigilance, car après nos multiples expériences d'ordre et contre-ordre de la part du gouvernement, leurs multiples mensonges s'ajoutent des possibilités de fraude absolument mises en lumière. La situation est absolument ubuesque. Alors, lorsque nos libertés sont absolument bafouées pour des choses aussi simples que prendre un café en terrasse, prendre le train, aller au cinéma ou même aller au travail, on est encore dans la rue, mais ils n'en parlent pas. On ne peut pas impunément laisser ainsi nos valeurs être bafouées, ce qu'ils font d'ailleurs avec une facilité déconcertante. Parce que mes larmes en ce moment sont encore de mes yeux. Je suis en train de me battre et je vais reprendre mon travail non vacciné et je soignerai les gens, même ceux qui nous envoient chier en ce moment et qui nous font faire ça. Thank you.
Alors si on est là, c'est parce que ici c'est un lieu culturel, le musée d'histoire naturelle. Voilà, et comme tous les lieux culturels, les théâtres, les cinémas, les musées, eh bien, pour y entrer, il faut le fameux petit pass. Alors, moi, j'ai un souvenir qui date, je crois, du 20 mars 2020. J'ai ouvert mon poste, comme à peu près tous les Français, et puis j'ai vu un jeune homme d'une quarantaine d'années qui nous a dit à tous, nous sommes en guerre. Et je me demandais comment ce jeune homme, par rapport à mon âge, bien entendu, pouvait savoir ce qu'était la guerre. Voilà, parce que des guerres, il y en a eu plein. Mais celle-ci, est-ce que c'est vraiment une guerre? Parce que... Voilà. Parce que des guerres, il y en a eu plein qui ont duré très très longtemps. J'espère que celle-ci ne va pas durer aussi longtemps. Je vais vous parler de la guerre de 100 ans. 100 ans! Ça a duré 100 ans, la guerre. Souvent, on entend les anciens combattants dire d'une voix battue ce qu'il leur faudrait à ces jeunes. C'est une bonne guerre! Eux, les anciens combattus, ils disent une bonne guerre comme nous, on dirait... Un bon petit moment, une bonne petite sieste, un bon petit pinard, une bonne petite guerre, courte mais bonne. Et ben là, on était servi. 100 ans, longue mais bonne. Une bonne guerre, comme s'il y en avait des mauvaises. D'abord, si on fait la guerre, c'est qu'on a une bonne raison. Car la raison d'État, ça c'est une bonne raison. Excusez-moi, j'ai pas raison, mais je vous déclare quand même la guerre. Eh oui, parce qu'il faut toujours rester poli. Quand on est poli, ça s'appelle la guerre civile. Bah oui, ça se fait avec beaucoup de civilité, entre gens bien, qui s'apprécient. Ça vous dérange si je te tue? Oh, bah non, après toi, je vous en prie, messieurs les Anglais, tirez les premiers. La guerre en dentelle, quoi. Et pour ça, il y a des conventions. Et qui font pas dans la dentelle. Bon, là, je fais un saut dans le temps, mais... Cette bonne guerre. À la Convention de Genève, en Suisse, pays neutre, un pays neutre, qu'est-ce que c'est? Ah oui, un pays neutre, c'est un pays qui garde l'argent de ceux qui se battent. Donc, à la Convention de Genève, on a interdit la baïonnette cruciforme, parce que ça faisait mal. On va encore danser encore. Il y a une personne là qui a fait que deux passes, elle en voulait un peu plus. Alors... Suite au prochain numéro. Bravo. 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 Bon appétit, messieurs. Ô ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillaient la maison. Donc vous n'avez pas honte. Et vous choisissez l'heure sombre, où la patrie agonisante pleure. Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts que d'emplir votre poche et vous enfuir après. Soyez flétris devant votre pays qui tombe, fossoyeur, qui venait le voler dans sa tombe. Et vous osez, messieurs, en 20 ans, songez-y, le peuple, j'en ai fait le compte et c'est ainsi, portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie, pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie. Le peuple misérable, et qu'on pressure encore, a sué 430 millions d'or. Et ce n'est pas assez? Et vous voulez, mes maîtres? Ah, j'ai honte pour vous. Au-dedans, guerriers, traîtres, vont battant le pays,
et brûlant la moisson. Le canon est braqué au coin de tout buisson. Comme si c'était peu de la guerre des princes. Guerre entre les couvents, guerre entre les provinces. Tous voulant dévorer leurs voisins éperdus. Morsure d'affamés, sur un vaisseau perdu. Notre église en ruine est pleine de couleuvres. L'herbe y croît. Quant aux grands, des aïeux, mais pas d'œuvre. Tout se fait par intrigue et rien par loyauté. Le pays est un égout où vient l'impureté. Macron, stop!